Allez, salut à tous, on est au championnat de France A5 au CLM 94. On est avec le team APF, constitué d'Anthony, concepteur, ok, fabricant également. Très bien, et fabricant. Marque française de châssis A5, on va en parler, on va le présenter. Ok, donc c'est ta R&D, c'est ta recherche et développement. Et t'as un super pilote cette année, un super pilote élite de niveau européen, déjà bien high. Et puis qui avait aussi, qui pouvait faire de... Au mondial, Romain, il était capable de faire des bons résultats. Championnat de France, je t'en parle pas. Il a affronté les plus fines gâchettes pendant des années. Moi, je me rappelle d'une grosse bataille avec David Ronfalk. J'en parlais juste avant de lancer cette petite vidéo. Donc là, tu as vraiment une fine gâchette. Et donc, tous les deux, vous travaillez au développement de ta voiture. Voilà, exactement. Et vous avez décidé donc de faire cette saison ensemble. Ouais. C'est votre première saison, tous les deux? Oui, sur ce châssis-là, c'est la première saison. La voiture a été... Le proto est sorti il y a un an et demi maintenant. Et du coup, maintenant, a bien évolué par rapport à la première voiture. Et on finit pas mal d'améliorations sur le châssis, mais on se rapproche de la vérité. Ok, donc là, bientôt, une voiture, un châssis abouti, qui vous permet d'être très très fort aux avant-postes pour la saison déjà en France A5. Assez compétitif, plus léger que la concurrence, en gardant la même fiabilité. D'accord. Donc on essaie de travailler là-dessus. D'accord, on va revenir sur ce châssis. Romain, alors le A5, moi je te croisais sur le A8, je suis super content, merci. C'est un peu grâce à toi si on est là aujourd'hui, puisqu'on en a parlé. Et tu t'es dit qu'il y avait un truc à faire, donc on l'a fait, on est venu, tu vois, on a respecté notre parole. Donc tu as basculé, après une vraie carrière quand même sur le A8, oui. Exactement, là ça y est, tu as basculé sur le A5, et t'es bien, et t'es content. Et je suis super content, c'est ma retraite de modéliste. Et tu peux la gérer longtemps celle-là. Je vois que la moyenne d'âge elle est un peu plus élevée que sur le A8. C'est un peu plus élevé parce que le coût des voitures est quand même déjà élevé à la base. Donc il faut quand même avoir un minimum de moyens. Et en général, c'est les gens qui ont une quarantaine d'années qui commencent à être un peu posés dans leur vie, qui peuvent se payer des voitures comme ça. D'accord là-dessus, toi tu as été pilote aussi, tu m'as dit Anto. J'ai été pilote il y a longtemps. Après, j'ai roulé l'an dernier pour le développement de la voiture, mais ça fait longtemps que j'avais pas roulé. Et ouais, j'ai roulé pendant pas loin de 15 ans. Après, c'était à l'époque, le 4x4 n'existait pas, c'était que du 4x2. Ouais. Et l'arrivée du 4x4 est arrivée sur la fin où je roulais, j'avais développé une autre voiture, mais c'était pas encore ça, c'était trop lourd, trop pâteau, c'était pas joli à voir. Que maintenant on commence à se rapprocher d'un comportement d'un 8e. Ah c'est ça l'objectif, très... ok. Je comprends mieux l'alliance là maintenant. C'est le problème du 5e, c'était le poids. Donc là on se rapproche par rapport aux motorisations, à avoir une voiture qui est quand même vive, qui est plus intéressante à regarder et à piloter que ce qui se faisait à l'époque. Bah, t'as super bien parlé parce que c'est tout de suite ce qui m'a frappé. Ouais. On m'avait dit le A5 c'est pas tôt, le A5 ça n'avance pas, ça bouge pas, c'est pas... C'était vrai. Et c'est quelque part pas photogénique, ok c'était vrai. Mais ce que j'ai vu par contre là, ton châssis, en plus ça doit être quelque chose de rouler son propre châssis. Ouais, ça doit être un kiff absolu quoi. C'est sympa. Donc, moi ce que j'ai vu c'est des temps pas dégueu, j'ai vu du 38, du 39 il me semble. 37 là ça y est. Du 37 carrément, ouais. Ok. Et tu penses que ça peut continuer à descendre? Ça descendra encore un peu. On sera proche de la vérité, mais c'est possible que ça descende en dessous des gros 36. Ok. Bah écoute, là on est sur des temps qu'on peut claquer en A8, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'étais au CF la dernière fois. Bon, il pleuvait de fou, mais j'ai déjà roulé cette piste aussi. Mais là, ça va vite. Et moi, j'ai été impressionné. Et je trouve la discipline extrêmement photogénique, super visuelle. Et j'ai fait des slow motion. Je les ai pas regardés, mais j'ai senti que j'avais pris des trucs pas dégueux. Et je pense que ça va être une bonne éclate pour tout le monde pour découvrir la discipline sur la chaîne. Ok, après cette petite présentation très sympathique, et merci pour votre disponibilité, les gars. De rien. On va parler un peu du châssis. Alors, comment tu l'as appelé ton proto, ton châssis? Pour le moment, c'est le F01. F01, ok. Ouais, ça évoluera peut-être pour la commercialisation. Là, c'est vraiment, on est au stade du prototype. Hein. Du proto.
Bon, t'es toujours avec Wartel Shop? Ouais, que je vois. Toujours avec Wartel Shop pour les cerveaux. Je les connais, ces cerveaux là. Donc là, c'est les 40-06. Et donc ça va, ça le fait, ça marche bien? Bah, je les ai montés l'année dernière pour faire un essai pour voir ce que ça pouvait donner sur le cinquième et je me suis rendu compte que ça marchait très bien. Et là, t'as gagné du poids aussi plutôt que de mettre des gros cerveaux et c'est surtout la vitesse qu'on gagne. On gagne énormément parce que ça va très très vite. Et actuellement, c'est les seuls cerveaux en petit cerveau qui tiennent le coup sur plusieurs courses d'affilée. Ok, super. Je vois que tu as remis un petit wings et un petit béquet à l'avant. Oui. Un peu dans l'esprit du Witch, on avait parlé tout à l'heure. Un peu là, dans l'esprit. Je vois ta patte là, donc tu as gagné un petit peu d'avant avec un ça. Un peu tout de train avant, oui. Ouais, on sent. Super. Donc là, on est sur une techno, enfin des matériaux, c'est fou la lutte. Ouais. Sur la base, ok. C'est que de l'aluminium aéronautique. Aéronautique carrément. Ok, donc c'est la meilleure qualité. C'est la meilleure qualité. On peut savoir, ouais. D'accord. Et tu fais ça, les pièces, tu les fabriques ici en France, tu les usines toi? Ouais, moi j'ai ouvert ma société il y a 2 ans maintenant sur La Rochelle. D'accord. Ah, t'es basé là-bas, ok, ouais. Super. Du coup, j'ai mes propres moyens de production, de CAO, de. Ok, tes machines CNC, t'as tout ce qu'il faut. Voilà. Super. Ok, on va faire le tour. Donc là, bon, j'ai vu qu'on était sur du freinage hydraulique sur pas mal de châssis présents aujourd'hui. Là, on est sur le même système, on en avait parlé tout à l'heure, que du 1.8. Ouais. Ok, avec des espèces de cams. Jolie cam. T'as des cams ici, après t'as des pistons. D'accord. Des pistons qui sont en dessous. Et pareil, pour l'ouverture de ton différentiel et tout ça, t'as juste à enlever ici et tu sors ton différentiel. Esprit 1.8. Toutes les cams restent en dessous. Ah ouais, d'accord, ok, super, ouais, parce qu'on a un 8, elles viennent avec le diff, les cams. Donc là, d'accord. Là, je sors le diff. Tiens, on peut le mettre un peu sur le côté, le châssis. Ça va être un peu plus sympa à voir. Donc énorme. Enfin voilà, attendez, je prends un peu de recul. Regardez-moi la bête, quoi. Regardez Romain. Qui est pas fin, tu vois, c'est un gaillard. Bah, regarde le châssis, énorme, il est magnifique. Alors, on reprend la zoom un petit peu. Ouais, donc, tu me disais, d'accord, sont en dessous, ok. Et là, pour ouvrir le différentiel, j'ai juste cette platine qui est au-dessus. Puis je peux sortir le différentiel sans toucher toute la partie qui est pénible pour d'accord. Le montage. Donc, le démontage rapide, on va l'appeler comme ça, un peu comme les cellules sur le A8. Ok, très bien. Après, sur les cellules, sur les différentiels avant, c'est pareil. Tu as juste ces deux vis-là à retirer. Ici, et même de chaque côté. D'accord. Tu sors ton boîtier de diff, ou ça te sort ton cardan central et ton boîtier de diff. Énorme, énorme. Donc, ouais, cellules tout en alu également. Grosse platine alu. Ouais. La barre de direction alu aussi. Gros renfort à l'arrière en alu. C'est vraiment. Moi mécaniquement, je trouve ça absolument magnifique. Et en termes de montage, c'est plus long ou ça revient un petit peu à monter un châssis à 8? C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Moins d'ajustement, je pense, qu'un A8. Ouais. Sur le A8, peut-être de la reprise de pièces plastiques, vu que c'est de l'injection. Mais après, en temps de montage, c'est vraiment kiff-kiff. Kiff-kiff, ok, ouais. Ok. T'es ok là-dessus, toi t'en as monté plein, t'en as monté plein. J'en ai monté une paire, moi des cinquièmes là déjà, depuis l'année dernière, et c'est vraiment cette voiture, c'est pas parce que je roule maintenant pour eux, hein, mais c'est vraiment cette voiture où on se rapproche le plus du 1.8 pour travailler dessus. D'accord. Tout est hyper facile à travailler, on a fait au plus simple. Ok, tout est tu bouges un truc, ça réagit tout de suite niveau réglage. Et les réglages c'est pareil. Là, on arrive maintenant à se rapprocher avec le travail qu'on a fait, à se rapprocher des bases qu'on avait sur le 1.8. Je travaille dans le même esprit que le 1.8e maintenant avec ce châssis. D'accord, ok. L'aileron aussi, je vois qu'il est très très 1.8. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça, tu vois. J'ai plus vu ce genre d'aileron là. Un petit peu old school quelque part. Super, donc là c'est. Donc ça c'est la concurrence. C'est ça. Joli aussi, hein. Très très joli aussi. Hein. Belle bête, belle bécane. On va parler un petit peu du moteur. Alors qu'est-ce qu'on a sur le moteur? Moteur et pot d'échappement très impressionnant. Et là, il n'y a pas de système de bande démarrage, hein, tu m'as expliqué. Non. Alors là, c'est un moteur 29 cm3 pour les 4x4. C'est la cylindrée homologuée. Qui est préparée par le préparateur JPF. Qui est connu et reconnu dans le monde du 1.5. Hein. Il a été champion d'Europe, du monde l'année dernière. Ouais. Ok. Donc là, on a affaire à ce qui se fait de mieux en bloc moteur. D'accord.
J'ai vu qu'il marchait pas trop mal aussi ton moteur dans la ligne droite. Il chante beaucoup. Oui, mais je t'ai senti assez rapide par rapport à plein d'autres compétiteurs. Donc c'est, ben, ça joue, on essaie de gagner de la performance surtout, le châssis, la motorisation. Là tu me dis que tu as trouvé de la vitesse avec les cerveaux de Wawa. Excellent. En plus toi tu embarques moins d'électronique que les autres, tu m'avais expliqué. On a moins d'électronique par rapport aux personnes qui roulent avec les freins hydrauliques. Ouais. Les freins hydrauliques où on est obligé de remettre deux cerveaux obligatoirement dans la voiture. Donc là ça commence à faire beaucoup. Donc. Et en termes de poids, même à voiture égale sans frein à disque, on est en moyenne là on est un peu plus d'un kilo d'écart. Quand même, ouais. Et ce qui est énorme. Donc ça joue pas mal sur la conso de ce fait. Surtout sur la relance de la voiture, sur la consommation, sur la taille des pièces du coup qu'on peut réduire. C'est le chien qui se mord la queue. Si ça va être plus lourd, on va être obligé de faire les pièces plus grosses. Mais en gagnant du poids là où il faut, c'est pas mal de temps de conception derrière. Mais après, on peut se permettre d'avoir des pièces assez fines à des endroits et qui tiennent très très bien. Okay, tiens, je montre le logo là. On le connaît pas tellement ce logo. Pas encore. C'est pas le DEF. C'est tout nouveau. Okay, bon, je m'attarde pas trop dessus, ça risque de changer, d'évoluer. Ok. Attends, je vais refaire un petit passage global. Très très belle machine. Tu peux me montrer en dessous comme l'impression. Enfin, très grosse bavette, très massive. Ah ouais. Ah donc l'amorti est super bien optimisé parce que tu n'as pas l'air de toucher de fou. La sortie du pot, j'aime beaucoup comment c'est travaillé en sortie de bavette. Ok. Et si on peut regarder un peu le train arrière. Non, parce qu'ils vont me demander, tu comprends Anthony, c'est les mecs sont exigeants hein, sur la chaîne, t'as pas idée. Il faut. Alors on va se faire un petit peu le train arrière, donc on est vraiment sur une philosophie complètement 8. Alors tout ce qu'on a en plastique, on en avait parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est chape, tout ce qui est extrémité où il y a... Chape, après je vais avoir de la pièce ici, c'est de la pièce de commerce, de la concurrence. D'accord. Parce que pour pouvoir faire un prototype comme ça, ça engage beaucoup de moyens pour pouvoir faire peu de voitures. Ah oui, les histoires de moules plastiques, ouais. Ça c'est cher. Le plateau en 5e n'est pas non plus très répandu par rapport au 8e. D'accord. Donc après, une fois que quelque chose est validé, on peut lancer une production sur ça. Mais pour le moment, vaut mieux partir sur de la pièce déjà existante, sur les pièces plastiques. Et surtout, c'est pas là que tu vas trouver de la performance. Non, non, ça va pas changer. Et du gap, quoi, du gain en fait. Ouais. Hein, voilà. Il faut pour un certain plastique de qualité, il y en a qui le font très bien. C'est ça. Ok, gain de temps. Barre anti-roulis énorme, j'en ai jamais vu une aussi grosse. C'est du combien ça en diamètre, Romain? Là, c'est du 4 mm. 4 mm, d'accord. Ok. La cellule est magnifique quand même. Là, on la voit vraiment bien. Attention, donc là, pareil, le même système qu'à l'avant. Ouais. Démonter les 4 vis de chaque côté, les paliers sortent, on sort tout bloc de différentiel sort. Ok. En termes de satellites, de planétaires, c'est 4 satellites, 2 planétaires, on est sur le... C'est exactement pareil que de TT1-8. Ok, ok, super. Je refais un tour d'horizon, on va faire un petit zoom sur le carbu, parce que le carbu, il a une petite particularité. J'ai un peu travaillé le sujet avec Romain tout à l'heure, je lui ai posé une petite question. Alors raconte-moi cette histoire de bulle là, ça m'intéresse là. Je vois une petite partie transparente très jolie là. Ça, on s'en sert pour amorcer le moteur. C'est juste une bulle. C'est la bulle d'amorçage. Pour pouvoir tirer le carburant. Et là, pas de bande de démarrage. Là, je la tirais pile en plein cadre. Voilà. Et boum, et c'est parti. Avec les tirettes. Yes. Et parti. Bougie, ok. Pareil, niveau moteur. Qu'est-ce que tu m'avais dit sur le moteur en termes d'entretien, longévité, c'est plutôt différent du 1.8? C'est différent du 1.8, ouais. Moi, de fin, l'époque que j'en ai fait, c'est quand même plus fiable. Ouais. Beaucoup moins embêtant sur les réglages moteurs. Yes. L'hydrométrie, l'altitude et tout ça influent beaucoup moins sur les réglages moteurs. Et après, moi, ça fait longtemps que j'ai pas roulé un 1.8, donc après, je sais pas les évolutions
Les évolutions, ça n'a rien à voir. Moi, clairement, ces moteurs-là, à part les mettre sur la voiture, je ne les ouvre pas. Je ne connais pas et j'ai un préparateur pour le faire. D'accord. Mais quand j'en parle avec lui et quand on en discute, c'est des moteurs qui durent très longtemps s'ils sont très bien entretenus. Il faut juste savoir faire des révisions de temps en temps pour changer des segments. Ouais. Et c'est des moteurs qui peuvent, c'est des blocs qui peuvent faire 2-3 saisons s'ils sont bien entretenus et bien lubrifiés. Très largement. Excellent. Sur la saison dernière, moi j'ai roulé avec un moteur du coup qui datait, qui avait 8 ans. Ah ouais. Et qui avait pas roulé depuis et qui avait dû faire un championnat de France et une manche de championnat d'Europe. Ok. Donc juste avec une resegmentation de piston et c'est reparti. D'accord. Pour un bout de temps, c'est reparti comme au carbone. Ok, super. C'est pas chemisé comme un moteur d'un 8e en fait. D'accord. C'est comme à la base la marque des moteurs, c'est Xenoa, c'est des moteurs qui font aussi pour des broussailleuses, enfin ils ont plein de moteurs de temps comme ça. Okay. Et ils ont une gamme du coup pour le modélisme. Ok, d'accord, donc eux ils se sont adaptés, il y a une demande et il y a un marché qui s'est ouvert là-dessus. Ok, écoutez. Là, tu m'avais dit, tu roules avec ta radio Sanwa à manche habituelle, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même. Tu mixes au niveau des programmes. On mixe les deux cerveaux de direction. D'accord, ok, super. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon. En fait, la gorge. On est très fiers de présenter sur la chaîne un châssis français, Made in France, avec un concepteur Anthony. Merci beaucoup de nous avoir reçus. De rien, merci. On va suivre, on va te suivre en tant que mécano et on va dire. Un chef d'écurie, quoi, patron d'écurie, hein, parce que là on est en. C'est sportif, les gars. Il y a une victoire à aller chercher. On va suivre demain Romain sur ses finales et j'ai vu que ça allait super vite. On va se régaler en suivant. Vous allez voir, ça va piloter très très fort. Et on repart encore sur ce châssis. On se refait un petit tour d'horizon parce que c'est carrément magnifique. Parce que là, il n'y a rien. Je vais montrer la petite Sanwa vite fait. Voilà, ça n'a pas changé. C'était la même quand elle vit. La même. T'as gardé la même. C'est ça. Ok. Bah, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse et tous ces précieux conseils techniques. On va me poser une question. Je suis obligé de la poser. Le budget. Moi, commercialisé, du coup, je vais sortir une voiture, un châssis nu. Ouais. Comme en 8e au final. Okay. Il y a un moteur à rajouter. D'accord. Des cerveaux à mettre. Cerveau radio. Échappement. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y aura un châssis avec l'échappement et un châssis sans. D'accord. Et dans le tarif, ça sera autour de 2 800-3 000 euros. D'accord. Comme la concurrence. Ok. La carrosserie est fournie avec. La carrosserie est fournie avec. Ouais. D'accord. Et la carro, vous êtes sur un développement aussi. C'est en développement. Okay. C'est en développement. Là, c'est une carrosserie de concurrence. Et là, pour la fabrication de la carrosserie aussi, ça implique beaucoup de moyens. Donc, il faut la réfléchir correctement avant fabrication. Je comprends. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite de tout péter, de tout gagner, de continuer à développer ce châssis. Quand on le pourra, je pense que on va voir sur la chaîne quand tu auras du budget. On se tape un trip 1.5, moi ça me branche bien. Ouais. Et quitte à se taper un trip à 1.5, on va se le faire sur un châssis français. Voilà. Ouais. Merci messieurs. Merci en tout cas. On se suit pour la race, ok. Big up, hey, ciao. Ciao. Et on se quitte sur cette œuvre d'art.